Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS pour une nouvelle vidéo. Et donc là, je me fais attaquer directement dans ma vidéo par les loups. Ok, j'en ai eu un. Ah, y'en a pas qu'un. Oh là là. Ok, donc on est bon. Donc. Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS pour une nouvelle vidéo. Donc là, je suis vraiment désolé, mais au moment où j'ai lancé le live, je me suis retrouvé à me faire attaquer par des loups parce que j'avais déjà lancé le jeu. J'étais tranquillement en train d'attendre et je me suis retrouvé avec des loups. Ils m'ont attaqué, donc voilà. Je suis vraiment désolé d'avoir commencé la vidéo comme ça. D'habitude, je la commence un peu mieux, mais là, c'est pas de ma faute, c'est le jeu qui a voulu ça. Donc là, on est revenu sur un petit live sur Days Gone. Donc j'aimerais bien finir ce jeu-là. J'en ai commencé des autres. Mais j'aimerais bien continuer ce jeu-là pour voir. Par contre, j'ai vraiment pas de santé, donc je vais regarder si je peux en faire. Oui. Non. Utiliser. Hop. Voilà. Ça va me remettre de la santé. Je vais être tranquille. Donc là, on doit aller chercher un baladeur apparemment pour celui qui fait les explosifs là. On va essayer d'en chercher un. Comme si j'allais gérer. Non. La moto, elle est partie en cacahuète. J'aurais pu faire un beau petit truc, mais non. Ah, ok, d'accord, il faut que je passe par là. Ok. Ah, bah, s'il faut passer par là, passer par là. Hein. J'aime pas trop passer par là parce que. Les routes sont mal faites. Là, on est bon. Voilà, on est retourné sur la route. On repart par là. Donc, il faut que je récupère un baladeur apparemment. On va peut-être arriver. Il faut que je finisse de brûler cette zone d'infestation. Avant de faire les zones d'infecter et tout, je vais essayer de récupérer plus de. D'endurance, de santé, de choses comme ça, parce que la dernière fois, la dernière vidéo que j'ai fait, j'ai galéré. Sacha, ok, c'est bien. Alors, il m'avait installé une espèce de tente en plein milieu du temps. Ok. Vous auriez pas d'autres détails, parce que pour l'instant, je suis pas très avancé, c'est tous les mêmes. Attendez. Ok. Bon, je suis dans la merde. On va essayer de partir parce que là je suis rentré comme ça à l'arrache et comme j'ai pas beaucoup de balles. T'as trop. Esquive, esquive. J'ai pas de cocktail monotone, j'ai rien du tout. Je meurs. Okay, je m'en doutais. Je suis parti, j'avais pas de balles, j'ai rien du tout. Parce qu'en réalité, j'ai été sur une mission et je suis parti directement sur une autre. J'aurais peut-être dû retourner à la base pour pouvoir récupérer des munitions. En plus, le loup m'a utilisé des munitions pour rien. Si je les bousille, ça sera plus sûr de circuler dans le coin. Je vais essayer de mettre ma moto de façon à ce que s'il y a un problème, je peux partir direct. Voilà. Oh, bah elle descend. Ok, c'est bon. Au niveau de ma vie. J'en ai pas. Oh merde, une horde. Fallait s'y attendre. Quelque part sur ce terrain de foot. Ils m'ont vu. On a détecté direct. Calme.
Heureusement que j'ai mis ma moto en position pour pouvoir les esquiver. D'ailleurs, il y a une horde juste en face. Ça, c'est un gros chat. Quand il dit ça, c'est qu'il y a quelque chose à côté de moi. Ils sont sortis. C'est quoi ça? Voilà, il y en a un là, on va essayer de le tuer discret. Ça fera toujours un en moins. Allez. J'en ai besoin. Le problème aussi, c'est que la moto, elle. Comment elle signale hein, quand on a. Ils entendent le bruit de la moto, donc de moment, on va chier. Là. Il est là. J'en ai un derrière ou pas? Vous voyez? Ils mangent les corps. Ils sont attirés par les corps qui sont à l'extérieur, donc ils les mangent. C'est ça qui les attire. Vous voyez? Hop, il y en a un qui revient. Il va vers où? Préparer ma batte. Une fois qu'il mange, après il est concentré. Bon, voilà. Elle met bien la batte, mais bon. Attendez, je vais prendre vite fait un truc. J'ai une invitation. Ça c'est bon. Salut, ça va? Ça va, ça va. Bah ok, je fais du Days Gone. Lequel? Non, je l'ai pas vu. Ouais, c'est Kevin à refaire. Ouais, ouais. Ouais, là, bah, il l'a fait pour qu'elle repasse au CT. Ouais, c'est Valentin qui a mis ça pour rigoler. Ouais. Donc là, ok. Et donc il m'a dit qu'il faut que je trouve ces deux tentes. Non, 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 non. Non, c'est lui l'homme. Ah ouais, ouais, il l'a fait hein, apparemment. Hein. Ouais, largement.
trompé, je demande pour mettre un caillou. Ah non, c'est un truc fumigène. N'importe quoi. Ok, je regarde là, qu'est-ce qu'il y a là. Ok. Ah ouais. Ça va, ils sont en train de sortir pour essayer d'aller manger les autres. Ça me donne du champ libre. Voilà, ça peut être que ça. Hein? Parce que j'ai envie de finir celui-là. Ouais, ouais, je l'ai fait la demande de code créateur et elle a été refusée parce que Léo, il est pas majeur. Il était noté. Refusé parce que vous êtes pas majeur. Il faut que je fouille dans les tentes. Ah bon? Bah, je sais pas comment t'as fait parce que nous on a donné le la chaîne YouTube et tout, et ça a été refusé. Ouais, tu vas bien me servir. Bingo, le voilà. J'espère que ça en vaut la peine, Weaver. Ah, arrête là. Oh, un fusible, cool. Les chiots FAMAS. C'était un motif scar normal. Oui, il est noté. Sur le motif, il est marqué comme quoi que impossible de donner un code créateur car l'utilisateur n'est pas majeur. Je vais te donner une bonne raison de bugler. Voilà pourquoi. Et moi, je peux pas faire une demande avec même mon compte à moi parce que j'ai pas les 1000 abonnés. Il faut avoir 1000 abonnés là. Un centre. Ah ouais. J'ai joué là, j'ai fait une partie du jeu Telltale Innocence là. J'ai commencé le jeu, j'ai la première vidéo qui sort demain matin. Franchement, il est stylé. Hein. Ah, il est bien. Hein. Salut. Oh, j'ai oublié. Ah, c'est Telltale. Ah ouais, mais tu n'avais plus beaucoup de vie. Telltale Innocence. Si, moi, il était noté, obligatoire d'être majeur. Faut que je regarde pour retrouver. Attends. Faut que je regarde si. Faut que je retrouve dans les messages. Message. Hmm.
Je rechercherai l'email et je te le dirai qu'est-ce qui était vraiment noté parce que je m'en rappelle plus. Ouais. C'est quoi que t'as dû aller chercher? Ah ouais, je l'ai fait. Ah oh, putain, j'ai perdu toute ma vie. Attends, je suis en train de te parler. Ouais, tu dois aller chercher du truc 4, je sais pas trop quoi là. Du truc 4 là, je sais plus c'est quoi le nom. Je sais plus c'est quoi le nom, c'est sur 4, je sais pas trop quoi là. Sur 4 ou... Ouais, ça met pas de la vie. Ouais, c'est ça, c'est Suricate ou un truc comme ça, et t'as... tu dois pas les tuer, hein. Ouais, c'est ça, truc bicarbonate, Suricate, je sais pas trop quoi là. Dans une style de maison, enfin, c'est un style de magasin, je sais pas trop quoi. Et j'ai essayé de les tuer, moi, j'ai pas réussi, j'ai dû le faire à la. Oh non. J'ai essayé de tuer le premier. Ah non, moi j'ai essayé de tuer le premier, j'ai vu il m'a tué, j'ai dit ah oh, comme ça, donc il n'y a pas de problème. Je suis toujours en mode furtif, je suis rentré, j'ai pris le truc, je me suis barré. Alors. Quand tu fais demande, tu dois mettre ta chaîne disant qu'il doit mettre si tu es majeur. Ou... Désolé, j'ai eu un petit problème avec mon live numéro 1, donc je vais faire deux choses. Je vais marquer dans le titre, je vais marquer la suite, car c'est un peu chiant. Ok, donc là, il faut que je passe par là. Peut-être falloir que je change mon routeur. Des histoires. On doit aller voir où? Ah ouais, on doit aller voir dans la grotte là. Vraiment désolé pour le problème de connexion. Hein? Ah c'est pas par ici, c'est de l'autre côté. Alors, on va passer par là. Ok. Hey, qu'est-ce que ça a donné? C'est tout ce que j'ai trouvé. Mais mette-moi un peu ce qu'on a là. Oh, wow. Vous êtes mon héros, mec. C'est cool. Merci. Il a risqué sa vie pour de la musique. Besoin d'autre chose, Weaver? Vous avez besoin de... Ok. Il calcule même plus. Hey, Caporal Saint John, vous êtes un mec bien. Vous êtes un vrai frère de cœur. Des essuie-glaces. Donc là, il faut aller là. Il faut acheter un produit antibulle. Vous n'auriez plus accès à la région sud si vous pouvez. Ouais, à mon avis, là, on va devoir partir. J'ai eu une révélation. La nuit dernière,
un groupe de jeunes recrues a rejoint nos rangs et a juré allégeance. Ils sont venus de loin, du nord, du sud, de l'ouest et de l'est. S'ils sont venus ici, et maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Ils sont la voix d'autres camps, comme celui au sud que nous avons nettoyé. Des camps tous remplis de dégénérés, de voleurs, de toxicomanes et de meurtriers. Nous sommes menacés. Nous tous. Tous les jours. Nous vivons dans l'ombre de la mort. Mais cette ombre n'est pas causée par les mutants enragés et sanguinaires qui nous entourent. Ils font partie du grand plan de Salut Dieu. Salut Benoît, ça va? Ouais, j'ai eu un petit problème de connexion, mais ça va. Sont l'œuvre du châtiment divin. Non. Non. Ce ne sont pourtant pas les mutants qui menacent de nous anéantir. Ce sont nos semblables. Tel Noé, en son temps, nous avons bâti une arche pour sauver l'humanité, pour préserver la connaissance. Ainsi, quand les eaux se retireront, nous pourrons reconstruire. Mais aujourd'hui, à l'heure de l'apocalypse, ce n'est pas Dieu qui tirera les océans de leur berceau pour engloutir et balayer les damnés. Cette terre ne connaîtra pas le baptême de l'eau, mes frères. Je sais pas, j'ai mon... ça fait deux jours que j'ai mon routeur qui bug. En réalité, j'ai toujours du Wi-Fi, mais sur mon réseau internet en Ethernet, ça a bugué. Je crois que je vais devoir changer mon routeur. Là, j'ai pris un routeur de sous-marque, j'essaie de prendre quelque chose qui a de la marque. Nous partirons au nord. Nous traquerons les dépravés. Et purifierons. Si Saint-John répondait. Je suis là. Ok, vous êtes prêts, on va lancer l'opération immédiatement. Envoyez-moi vos coordonnées. C'est fait. Quoi? Vous êtes où? Au centre de Crater Lake, sur Wizard Island, le camp de la milice. Les lance-roquettes sont désactivées? Ah merde, pas encore. Je m'en occupe. Prévenez-moi quand vous êtes prêts. Terminé. Il faut désactiver des lance-roquettes, ok. Allez, saloperie. Ouais, là-dessus. Ça fera l'affaire. Faut que je rejoigne Sarah. Sarah, lieutenant Whittaker, à vous. Oh merde. Attends, j'arrive. Vous voudriez pas aller faire le pied de grue dehors plutôt qu'ici? Ordre du colonel. Je dois vous surveiller en permanence. Il peut se les mettre où je pense. Hé hey, gaffe à ce que vous dites. Il y a du changement dans l'air par ici. Et si vous suivez pas les ordres... Vérifie qu'il y a personne. C'est bon. La voie est libre. Okay. C'est quoi le plan? Rassemble tes affaires, on se tire. Et comment tu vas faire? Les gardes sont partout. Tu me fais confiance? Bon, Brian. J'écoute. On se dirige vers le cône, faut pas se planter. Bien reçu, terminé. C'est qui, O'Brien? Où est-ce qu'on va? J'ai pas le temps de t'expliquer. T'as tout parce qu'on viendra pas. Ouais, je suis prête, allons-y. Ok, reste près de moi. Si on croise quelqu'un. Au cas où t'aurais pas lu mon. Attends, c'est qui cet O'Brien? Comment il va nous tirer de là? Je te l'ai dit, c'est grâce à O'Brien que je t'ai retrouvé. C'était le soldat du Néron. Ouais, il faut qu'on débloque la... Comment la... Hey, merde, Weaver. Il faut aller à l'hélicoptère. Hein. Non, 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 celle-là! La bonbonne. Bon. Soldat! Regardez ce que vous faites!
Un peu d'attention! La bonbonne, là! Juste là! Ok, allez, allez! Plus haut! Si je vois cette bonbonne tomber... Je le crois pas. Weaver nous a laissé passer. Oh merde, d'autres gardes. Ok, attends là. Eh, viens. On va les contourner. Ok. Donc, O'Brien, le type de l'hélico du Nero, il doit venir ici? Ouais. Écoute, c'est une longue histoire. Je t'expliquerai quand on sera tranquille. Donc, leur hélico vole en plein. Allez, on y va. Je sens, Ticon. Ils doivent avoir des ressources, de l'équipement. Ouais, sûrement. Écoute, tu pourras demander à O'Brien quand tu le verras. Un autre garde. Bouge pas. Je vais l'occuper. Ah, fais attention. Soldat, qu'est-ce que vous faites ? Désolé, madame, cette zone est interdite. Comment osez-vous ? Qu'est-ce que... Beau boulot. Un autre garde. Je vais voir si je peux le déloger. Ah, fais attention. Pas mal. Bien. On y est presque. Allez, on y va. J'ai vraiment hâte de revoir Boozer. Tu veux venir avec moi à Los Lake ? Je veux dire, je croyais que tu voulais aller à Cloverdale. Ouais, c'est vrai. Et j'ai juste envie de le voir. C'est un peu comme un grand frère. J'ai vu par ici. Ah, j'étais trop vite. Merde. Dommage. J'ai été trop vite. J'aurais dû y aller plus doucement. Ah, cela vient du fond du cœur. Je veux dire, je croyais que tu voulais aller à Cloverdale. Ouais, c'est vrai. Et j'ai juste envie de le voir. C'est un peu comme un grand frère pour moi. C'est pas comme s'il nous restait beaucoup de famille. Attends, je vais l'occuper. J'ai tué. Ah, ah non, bah elle a l'avance devant, il te voit pas. Et moi, il me voit. Ok, d'accord. Je veux dire, je croyais que tu voulais aller à Cloverdale. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai juste envie de le voir. C'est un peu comme un grand frère pour moi. C'est pas comme s'il nous restait beaucoup de famille. J'ai vu quelqu'un. Soldat, par ici, s'il vous plaît. Madame, cette zone est réservée. Vous me répondez, soldat ? Qu'est-ce que... J'ai cru qu'il allait me voir. Bon travail. Toi aussi. Je vois la lumière du jour. Viens, on est presque dehors. Ouais, ça y est. On est au cône. C'est bon, on a réussi. Et l'hélico, où il est ? T'inquiète, il va arriver. Il faut juste qu'on... Oh, messieurs, nous nous trouvons ici au sommet, d'où nous avons une vue imprenable sur... Ah, lieutenant. J'étais en train de faire visiter l'île à ce groupe de nouvelles recrues. Nous descendons à l'arche. Vous devriez nous accompagner. Eh bien, colonel, messieurs, en fait... voici le lieutenant Whittaker. Elle dirige l'équipe de recherche chargée de trouver une solution qui permettrait d'empoisonner l'ennemi. Traître ! Hey, attendez. Attendez, non, reculez. Oula. J'ai
Je veux simplement vous dire qu'on partait en mission de ravitaillement. Et un espion. Pourquoi vous le croyez lui et pas moi? Vous me connaissez, Matt. Mike, le chef de ce camp, Lost Lake. Il l'a envoyé jusqu'ici. J'ai même jamais vu ce fils de pute dans la ville. Vous devez me... Assez. Très bien. J'écoute. Je vous le répète, c'est un espion, ce mec. Matt, ce type est taré. Vous l'avez jamais vu auparavant. Lieutenant, j'ai un putain de mythomane. Vous lui faites confiance? Quand tu dis que je reviens, Lost comment déjà? C'est ça? C'est la vérité. Demandez-lui de nous montrer son dos. Hein? Montre-lui. Assez, ça suffit. Dernier avertissement. Maintenant, faisons la lumière sur cette affaire. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Capitaine Khoury, est-ce le 8e ou 9e commandement? Je ne me souviens plus, chef. Dites-moi ce que vous avez vu, et ne mentez pas, fiston. Je le saurai. Je vois bien Nesbol le faire avec un vélo, tu vois. Il a attaqué une femme. Mais c'est n'importe quoi! Caporal! Il était torse nu. Ce fils de pute a un tatouage qui recouvre son dos. Un truc sataniste, une espèce de clébard, un chien mort qui bouffe une chaîne ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus trop, à vrai dire. Je l'ai repoussé. Il était bourré et il s'est débattu. Qui sait ce qui se serait passé si j'étais pas intervenu? Demandez-lui de nous montrer son dos pour voir qui raconte des cracks. Désolé, colonel, mais là, on a mon plein délire. Tournez-le. Vous portez l'image de Cerbère. Le molosse d'Hadès. Drôle d'ironie. Qu'on vous ait surpris alors que vous remontiez des profondeurs. Mais vous n'êtes pas Cerbère, n'est-ce pas? Deacon St. John. Non. Vous vous cachez derrière un nom pieux et des vérité, tissus la de mensonges. Vous êtes Judas. Quant à vous, lieutenant, quel hasard que vous ayez été là avec le drifter quand l'hélicoptère du Nero est passé! Colonel, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous étiez dans un camp du Nero qui a été infesté. Depuis combien de temps nous espionnez-vous? Depuis quand? Je vous jure que je n'ai rien fait! Mensonge! Ça ne m'étonne pas venant d'un drifter. Ça ne m'étonne pas d'être trahi par ces fourbes! Mais un officier! Colonel, c'était moi! C'était moi! Colonel, j'ai menti! Si vous regardez dans ma poche, vous trouverez un Toki. Parce que je les ai appelés. Je les ai appelés, j'ai menti. J'ai menti! Menti au lieutenant. Je lui ai dit que... que j'avais besoin d'aide pour inspecter la cargaison, mais... mais en réalité, j'avais besoin d'un otage. Deacon St. John, Drifter. Vous êtes là, ici le Nero. C'est O'Brien, Drifter. Désolé. Le caporal St. John n'est pas joignable pour le moment. Hé hey, qui parle, là? Parfois... dans la quête de la vérité... le sang des innocents est versé. Oui. Désolé, ma chère. Grave. Relâchez le soldat Sarkozy, c'est ça? Ouais. Et Khoury. Emmenez ce drifter en cellule. Dès demain à 0700, il sera jugé. Et il sera pendu. Lieutenant, assez perdu de temps. Nous avons beaucoup à faire. Venez. Dites-moi plus au sujet de ce camp de Lost Lake. Oui, monsieur. Tout ce que vous voudrez. Lieutenant! S'il vous plaît. Allez, debout. Hmph.
Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Telle est la question. Allez, on sort chargement. Parfait. J'ai entendu votre souffle. Je vous emmerde. Des insultes. C'est que vous n'êtes pas encore brisé. Ok. Pourquoi? Votre tatouage. Un chien mordant ses chaînes. On voit pas ça tous les jours. J'ai fait mon enquête avant qu'on vous relâche. Je voulais... comment dire? Y voir plus clair. Ceci a été confisqué au lieutenant à son arrivée au camp. Je crois qu'elle est à vous. Ouais, c'est la mienne. Et votre femme s'appelait pas Bess? Non, c'est vrai. Et depuis le début, votre but, c'était de la retrouver? Ouais. Vous vouliez comprendre. C'est simple, en fait. À mon sens, un homme qui se saigne aux quatre veines pour retrouver sa régulière mérite mieux que de finir au bout d'une corde. Attendez une seconde. Vous voulez m'aider? Alors vous êtes tous bons pour la corde? On n'y retournera pas. Le colonel a perdu la tête. La guerre sainte, le génocide, il a pété les plombs. Ok, alors c'est quoi le plan, hein? Qu'est-ce que vous comptez faire? Allez vers l'est. Ouais. Peut-être même jusqu'à Reno. Vous venez avec nous? Oh non. Vous pouvez plus y retourner, la milice vous abattra à vue. Non, je ne partirai pas sans elle. Je dois filer vers le nord. Je dois prévenir Iron Mike. Il est trop tard pour ça. Pourquoi? Ils ont dégagé le col de Santiam toute la nuit. Quoi? Un convoi est parti tôt ce matin vers le nord. Oh merde! Vous êtes sûr de pas venir avec nous? J'en suis certain. Bonne chance à vous, Deacon St. John. Hey, Corey. Quand j'ai parlé de mon passé militaire au colonel, je lui ai dit que j'en avais détesté chaque putain de minute, mais... ça aurait peut-être été plus sympa si... si j'avais servi sous les ordres de quelqu'un comme vous. Qui sait? Il est peut-être pas trop tard. Ça va être chaud. Qu'est-ce qu'on a là? Bon. On va essayer de prendre le sniper. Au niveau des armes, qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme arme? ?50 balles. Ils n'ont pas donné de balles. Non, comme j'ai plus de balles, bon, on va essayer de changer. On va essayer de prendre cela. J'ai combien de balles à moi? Non, pas la moto, je me merde. Bon, on va essayer de changer. On va prendre cela. La balle, j'ai ce qu'il faut. Allez. Il faut que je retourne à Lost Lake. Il faut que j'aille vers le nord. On va sauver Boozer, Ricky et Iron Mike. Je peux pas sauver ça, je peux pas les sauver. Je peux les sauver. Je suis désolé. Pardonne-moi ça. Mais j'abandonnerai pas. Je vais trouver un moyen. Je reviendrai pour toi, je t'en jure. Je reviendrai te chercher. Il faut que je prenne au nord. Par l'autoroute de Santiam. Elle est dégagée maintenant, ouais. C'est plus rapide.
sortir. C'est par là, vers le nord. En fait. Checkpoint, merde. On était pas là avant. Pas moyen de groupe. Oh la pucelle. One shot. Allez, monte ta tête. Vole. Ah, mon moto n'est pas pété. On a l'ordre de le descendre à vue. Oh, j'ai plus de balles. Ah, j'ai pas de balles, fais chier. Merde. Je voulais aller trop vite. Merde. Dommage. Alors, où vous êtes passé, hein? Ouais, c'est bien ce que je pensais. À mon avis, c'est là-bas. On va aller tout doucement. On va s'arrêter un petit peu avant. Voilà. Checkpoint, merde. Il était pas là avant. Pas moyen de le contourner. Ma tête. C'est allé tout doucement. Ah, ils ont mis une corde. Oh.
Ah, je l'ai eu un petit peu dans la tête. Ah, il y a des trucs pour protéger, non? J'ai l'impression que je tire pas dans le... Ah, ok, d'accord. Je tire sur le muret. Ok, on va essayer de récupérer des balles sur les gars. J'ai pas énormément de balles. Ciao, gang. Ah, des mines, c'est le top ça. Cool. Ciao. C'est tout? Alors, où vous êtes passé, hein? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mon moto est là-bas. Arrête de camper.
Je vais me mettre sur le côté parce que ça m'énerve. Les balles tête. Qui m'a tiré dessus? D'aller directement avec un moto dans le pont. Pourquoi tu comprends pas? Salut, ça va? Pourquoi tu comprends pas? Oh, le bonhomme il est dedans. Lol. Il était dans le truc. J'ai dit, tu comprends pas dans quoi. C'est quoi que tu comprends pas dans le jeu? Le tunnel est nettoyé. La milice s'en est chargée. Merci Schizo. Putain. Deux snipers, ils sont morts, c'est le principal. Fils de pute. On met un peu de vie. On va s'occuper des autres.
essayer de ramasser le maximum de trucs que je peux avant de passer avec la moto. Non, pourquoi j'appuie sur carré? Oh là là, n'importe quoi, genre. Bowser, t'es là? Réponds! Boseman, réponds! Dick, bon! Et posez-les là, putain! Elle a dit, emmène les blessés à l'intérieur! Bowser! Dick! On aurait bien besoin de toi par ici. Emmenez-les à l'intérieur. Bouge, bordel, bouge. Merde, attention. J'arrive, Bowser. Je suis presque là. Schizo, il est là, Bowser. Il vient pour toi. Ils arrivent par les portes. Allez-y. Qui vient? Bowser. Ricky, Count Lost Lake, répondez. Ricky, Iron Mike, à vous. Dick, t'es vivant. Schizo disait que t'étais mort. Trouvez Schizo. Trouvez Iron Mike. Ok, on est arrivé. Schizo. Quelqu'un a vu Schizo? On a réussi. Tout juste, mon pote. Faites gaffe, ne les laissez pas s'échapper. Tuez-les tous jusqu'au dernier. Putain, où est passé Schizo? On est un paquet à le chercher. Personne l'a vu. Eh, venez, faut y aller. Vous en faites pas. On va le retrouver, cet enfoiré. Oh, Dick, tu merci, te voilà. Ricky, qu'est-ce qu'il y a? C'est Iron Mike, il a pris une balle. Espèce de tir au flanc, je passais voir si... Si t'avais envie d'aller pêcher, on a un camp à nourrir. Tu l'as trouvé. Ta femme. Ouais, Mike, elle est dehors. Elle est ici. Ouais, écoute. J'aurais jamais pu y arriver sans ton aide. Je veux la rencontrer. Ça doit être... une fille extra bon. Que tu te donnes autant de mal comme mon Elisabeth. Ok. Tiens, Mike. Mike, je veux que tu prennes ça. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. Tiens, Mike.
Vas-y, doucement. Je me suis trompé. Non. Non, non, non. Je sais qu'on peut y arriver, Mike. Quand tu seras de nouveau sur pied, tu verras, on va pouvoir... J'ai eu tort. J'ai un petit problème de connexion internet. Mike ? Mike ? Je sais pas comment vous dire ça, mais... Iron Mike est mort. Et il a voulu arrêter Schizo quand la milice s'est retirée. Et vous connaissez Iron Mike. Il a essayé de le raisonner, mais... Ok. Ouais. La ferme ! La ferme ! C'est pas un éloge funèbre ! Iron Mike aurait pas voulu de ça. On n'a pas le temps pour ça. Parce que les mecs qu'on a butés aujourd'hui... Il en reste encore plein! Des tonnes! Je suis allé dans leur camp. J'ai vu leur armée! Quand ils reviendront ici, ils vous massacreront tous jusqu'au dernier. De quoi? Ils essaieront. À moins qu'on frappe les premiers! Non. Hé! Hey, silence! Fermez-la! Écoutez-le! Iron Mike lui faisait confiance, alors vous devez lui faire confiance. Non, 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 désolé, tu sais quoi, je peux pas. Je suis pas Iron Mike, je suis un putain de drifter. C'est vrai, la route est là. Non, je veux pas me barrer, regarde-moi, écoute. Trouve Boozer et dis-lui de me rejoindre à ma cabane. Bon, j'ai trouvé ça dans un bunker de survivalistes. Attends, c'est... Ouais, ouais. Il nous faut un camion, un gros truc, genre benne à ordures, qu'on va remplir entièrement de... De nitrate d'ammonium. Ouais. On va le mélanger avec un peu moins de 400 litres de créosote. Un camion d'engrais piégé. C'est ça ton plan? Oh putain. La milice a transformé toute l'île en forteresse. Il y a des civils dans les grottes. Il y a les travailleurs et ceux qui sont jugés inaptes à servir dans ce camp de survivants. Et tu as l'armurerie et la garnison qui sont à l'entrée principale. Si on frappe ici, on désorganise totalement la milice du colonel. Salut Kevin. On fait quoi pour ça? Allez, dans les grottes. C'est ce que le colonel appelle l'arche. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'ils vont pas buter tout le monde? Sarah et tous les autres? Rien du tout. Mais je pense que l'explosion va semer tellement le chaos qu'il... Je peux entrer, la retrouver, et sortir avant qu'ils comprennent ce qui se passe. Écoutez, il est plus seulement question de Sarah. Le colonel a déclaré la guerre à chacun de nous, et il a toute une armée derrière lui. Iron Mike et les autres, ce sont que les premières victimes de cette guerre. Et elle s'annonce courte, à moins qu'on les frappe les premiers. J'ai pas dit que c'était un bon plan. Non, il est même plutôt merdique. Et avec moi, frérot. Oh, je veux pas louper ça. D'accord.
Mais on n'y arrivera pas tout seul. Ok, d'accord. Si d'autres veulent nous suivre, envoyez-les. Envoyez-les à la porte sud. Mm-hmm. Parce que quand ça va péter, la milice enverra ses troupes à la porte principale. Mm. Ok, il nous faudra du matos. Vous êtes tarés. Ouais. Ah, j'ai mis un nouveau camouflage. Pour tout péter. Encore un camouflage. Okay. Déjà, on va aller voir là-bas. Le camion est là. Ouais. Ah, je voulais me faire plein de munitions, mais je peux pas. Alors, ça avance ? Recule ! Hey, Dick. Hey, c'est quoi, ça ? Oh, demande-lui. Bon, un camion gros comme un char, c'est ça ? Je me suis dit... Autant y aller franco. Bordel de merde ! Ce truc est prêt ? On va voir, Dick. Ok. Oh ouais. Il marche. Il n'y a plus qu'à remplir. Je sais où trouver du fertilisant. Je vous appelle quand je suis opé. Ok. Ok, bon. On va essayer de larguer les primes, récupérer les armes. Salut, Dick. Ok. Ça va comme tu veux, Joe. C'est bon pour toi. Les armes, c'est sûr. Dick. Bah alors, où t'étais passé pendant tout ce temps ? Tout va comme tu veux, Blair. Ouais. Ok. Donc ça, c'est bon. Hé, essaie de passer plus souvent. Mais t'en as dans le ventre, toi. Tu n'as pas dû t'inquiéter plus que ça. J'ai que ça aujourd'hui. Donc là, il faut que je prenne la moto jusqu'à là-bas. Ouais. Ok. Là, on va faire le plein d'essence sur la moto. Le mécanicien est là-bas. On va en profiter. Hein. Salut, Deacon. Buzz, tu vas bien sur le camp ? Oui. Performance. C'est limité à un jour ou deux. Oui. Ça, c'est de la qualité. Solide et bien fini. On va changer le cadre. Ok. C'est pas de la Camelot, ça. Amortisseur. Ça devrait te durer un moment, ça. Nitro. T'avais besoin d'autre chose ? Ta bécane a une autre gueule maintenant. Ça, c'est de la qualité. Solide et bien fini. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait comme peinture ? Bah, je garde celle que j'ai. Ok, allez. D'accord. On est autour de là. Tu sais où me trouver, ok ? On va
pour les 2 km. Alors c'est quoi le coup? Je me dis qu'on devrait trouver tout le fertilisant qu'on veut à l'Iron Mutant. Oh oui. L'Iron Mutant. Ouais. Enfin, c'est pas comme si Jesse et ses Reapers allaient en avoir besoin. En plus, il y a un club de golf avant, non? C'est-à-dire qu'il doit y avoir un espace de maintenance, une tondeuse et... Du fertilisant. Putain, bien vu. Ouais, je fonce sur place. Dès que la voie est libre, je t'appelle pour que Ricky et toi vous ameniez le camion. Ça marche, mes potes. Terminé. Oh, je sais pas. Dick, t'es là? Ouais, avec lui, je suis là. Je tenais à te dire, merci. Merci d'être venu nous aider. Je suis désolé d'être arrivé trop tard. Dis pas ça, on va l'arrêter. Cette ordure de ce qu'ils ont, on va l'arrêter, hein? Ouais, on va l'arrêter. Je voulais te dire que je suis désolé. Pour Sarah. J'arrive pas à imaginer ce que ça doit faire de perdre quelqu'un deux fois comme ça. Hé, je l'ai pas perdu. On est en train de fabriquer une bombe géante, je te rappelle. En tout cas, on est content que tu sois là. Lost Lake a besoin de toi. Hé, Ricky. C'était pas sa faute. Ah, Iron Mike, je veux dire. Heureusement que j'ai réussi à lui mettre un coup. Il essayait juste de bien faire. On va faire un peu plus. Là. Dick, reçois. Excuse-moi. Tu manques pas de cran, m'appeler comme ça. Te voilà enfin, mon pote. Écoute. Faut que tu saches que j'ai essayé de les en empêcher, je te le jure. De tirer sur Iron Mike, je veux dire. Et je voulais pas que ça se finisse comme ça. Capitaine, le colonel veut vous voir immédiatement. Ouais, dites-lui que j'arrive tout de suite. Capitaine, on grimpe vite les échelons quand on trahit à tour de bras. Toutes ces conneries d'armée, c'est que du cinéma, tu le sais très bien. Mais faut que tu m'écoutes. Je suis pas ton pote, Schizo. C'est bonne guerre, je voulais juste que tu saches. Écoute, quand Corrie t'a aidé à t'évader, le colonel, il a pété un câble. Il a cru qu'elle était complice. Il est devenu complètement cinglé. Il s'en est pris au lieutenant Whittaker. Il allait la tuer. Dick, Dick. Ouais, je t'écoute. Mais je l'en ai empêché, Dick. Je te jure. Je lui ai dit que le poison qu'elle fabrique, il peut servir à buter les mutants. Mais pas seulement. Je lui ai dit qu'il y avait peut-être un camp ennemi, avec une seule arrivée d'eau. Et que si on foutait de la ciguë dedans, ça pourrait régler pas mal de problèmes. Bref, le colonel, il a aimé mon idée. Donc, il m'a mis en charge de l'Arche. Il veut que j'en assure la sécurité. Et Whittaker est sous mes ordres maintenant, Dick. Qu'est-ce que tu veux, Schizo? Je veux juste te prévenir, mon pote. Ils arrivent. Je peux rien faire pour l'éviter. Ils arrivent, et cette fois, le colonel amène toute la cavalerie. Ça va être chaud pour les tuer, à mon avis. Qu'ils viennent. On n'a pas l'intention de bouger. Et cette fois, quand il se pointera, on sera prêt à le recevoir. Hé, Dick. Capitaine, le colonel attend. Ouais, j'arrive, foutez-moi le camp. Hé, Dick. Écoute, faut que j'y aille. Mais je dirais au lieutenant Whittaker que tu lui passes le bonjour. Capitaine Sarkowski, terminé. Va te faire foutre, Schizo. Oh, merde, non. C'est une horde, putain. Ouais. Il faut que je libère la voie avant l'arrivée de Ricky. Elle va l'attirer vers nous, non. Hé, hey, Boozer. Dis à Ricky que ça va prendre un petit moment, parce que... il y a une horde qui fait une pause déjeuner en plein sur notre chemin. Une horde? Ricky et moi, on vient de te donner un coup de main? Non, non. J'ai appris à mes dépens qu'il vaut mieux se la jouer en solo dans ces cas-là. Ça risque de partir en couille si on s'y met à plusieurs. Ouais d'accord. En plus, Ricky m'a dit que t'étais chef de la sécurité maintenant, c'est bien ça? Alors quoi, t'es pas censé, je sais pas, rester au camp, faire voyer ton badge, donner des ordres et tout comme ça? Ah oui, j'ai oublié de demander un badge à Mike. Enfin bref. Non, Mike est plus là. Pour quelques-uns! Faut que je les tue, comme ça. Tout doucement, oui. J'ai pas chaud.
Donc, on va essayer de tuer l'ordre la prochaine fois, parce que là, j'ai pas envie, j'ai pas assez d'armes. Faudra que j'essaie de regarder pour mettre un petit peu plus d'armes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager des petits pouces bleus, et la prochaine vidéo, on essaiera de détruire cette horde de zombies pour pouvoir libérer la place pour pouvoir récupérer l'engrais. Donc voilà, je vous dis ciao, et à la prochaine!